Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone. Aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir, merci parce que n'a prouté Alter Radio sous 106.1 FM, www.alterradio.org. Bienvenue dans le journal Alter Sport qui passe à 6h30 dans l'après-midi, 10h30, minuit et demi, 4h30 dans le matin, 5h30 et puis midi et demi. Grand titre d'actualité sportive là sur plan local, Fédération Haïtienne Basketball à travers Commission Nationale Basket 3 contre 3 a organisé deux journées formation Fort Liberté 7 à 8 octobre à Cap Vinila dans le cadre programme Vini officiel 3 contre 3 FHB. Football, mercredi 4 octobre, LDU Quito, équipe Ricardo AD en fait 0-0 en déplacement sous pelouse Defensa y Justicia pour match retour demi-finale Copa Sudamericana. Club équatorien validé Bieli pour grande finale l'an côté l'a joué contre équipe brésilienne Fortaleza 28 octobre Cap Vinila. Football femme Roselyne Eloisin blessée dans genou, pas monté terrain pendant plusieurs mois d'après sa club RC Strasbourg fait connaître jeudi 5 octobre. Dans pays étranger, dans 4e journée phase groupe Ligue Champion Football là, FC Barcelone gagne Porto 1-0. Jeudi 5 octobre, c'était 2e journée phase groupe Ligue Europa avec Ligue Europa Conférence. Dans Ligue Europa, Marseille fait 2-2 avec Brighton. Dans Ligue Europa Conférence, Besiktas perdu devant Lugano 3-2. Football sélection Lionel Messi présent dans liste joueur Argentine convoqué jeudi 5 octobre pour prochain match qualification mondiale 2026 zone Amérique du Sud même si club bien Inter Miami considéré comme blessé. Argentine, Uruguay et Paraguay cap accueilli 3 dans 104 rencontres mondiales 2030 football là bénéficié tout qualification directe bay pays hôte d'après précision FIFA portée jeudi 5 octobre là. Tennis, Corey Gauff, récent vainqueur dernier Grand Chelem saison, a gagné Kudermetova 7-6, 6-2 dans 8e finale tournoi Pékin. Basketball, Joel Embiid MVP en titre NBA a choisi représenter États-Unis dans Jeux Olympiques Paris 2024. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswè, li pase tou a 10h30 aswè, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel sou tout sport sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org.
Développement actualité sportive là sous plan local, Fédération haïtienne basketball FHB à travers Commission nationale basketball 3 contre 3 a organisé deux journées formation Fort Liberté 7 à 8 octobre cap vini là dans cadre programme vini officiel 3 contre 3 FHB. Après avoir fini organiser séance formation pour deux pères, Cap Haïtien, Jacques Mel, Tigouave, Carrefour, Limonade, Pétionville, Jérémy, Fédération Haïtienne Basketball, mettez Caplan sous département Nord-Est, grâce à support Fondation Bourbancourt. Fédération Haïtienne Basketball a continué à former officiel sitou, habit à opérateur, table débutant 3 contre 3. À peu près 25 participants a prend part à séance formation côté Evan Simon, arbitre haïtien certifié dans e-learning FIBA 3 contre 3 a animé et fédération s'est honorée semaine passée en cocktail presque histoire basket 3 contre 3 rôle acte devoir arbitre gestuel arbitre règle basket 3 contre 3 placement arbitre faute psychologie arbitrage gestion agression verbale et incivilité séance pratique c'est quelque bagay qui gagne dans programmation journée ça. Yon l'autre bord responsable la Fédération Haïtienne Basketball dit yon déterminé pour poursuivre avec développement basket 3 contre 3 dans tout pays. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Football expatrié, mercredi 4 octobre, LDU Quito était en déplacement sous pelouse Defensa y Justicia pour match retour demi-finale Copa Sudamericana avec un Ricardo Ade solide, club équatorien fait nul 0-0. Belle victoire 3-0 dans premier match là. Terrain match ça plus facile pour LDU Quito. Club équatorien prend billet pour grande finale côté la joue avec équipe brésilienne Fortaleza 28 octobre Cap Vinila. Rio Grande Valley FC Toro équipe Cristiano François a fait 2-2 avec équipe Hartford Athletic là dans cadre 32e journée USL Championship là. International haïtien rétabli équipe là dans 7e minute alors que Hartford Athletic aka Ashknov Apollon qui souvent te marqué depuis dans 5e minute grâce à Aka Seidi. Cristiano François t'a pral servi Christian Pizon dans 25e minute pour 2-1. Mais Seidi yon l'autre fois encore t'a pral marqué pour Hartford Athletic sous penalty dans 35e minute. C'est 3e goal ancien joueur Racing Club haïtien pour saison 1 dans USL Championship là. Ligue est en fait 5 passes décisives. Bon côté mesdames yo blessé dans genou Rosine Eloisin pas monter terrain pendant plusieurs mois c'est ça RC Strasbourg club li fait connaître jeudi 5 octobre là titulaire dans première journée des deux françaises là Rosine pral manquer prochain mois compétition yo international haïtien là qui blessé grave dans genou même si formation strasbourgeoise là pas bail plus précision Grenadier là t'a dû rejoindre sélection mois octobre là pour match qui comptait pour qualification Gold Cup là. N'a pas appelé Roseline rivé dans l'équipe Strasbourg pendant été. N'a pris un coup de pause, l'entonné n'a pas les sports à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Mes amis docteur Georges, a pas m'tande ces choléra qui touye Pierrot, te quoi m'tande maladie ça a te passé? Passé, madame Jean. Non marché. Après choléra te fin disparaître pendant un bon bout de temps, li retourné à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra docteur Georges? Ça facile. De pour servi à l'eau traitée pour boire et puis manger, laver mais à l'eau avec savon, si tout les saute dans toilette avant ou manger, choléra pas besoin de route pour entrer sous la barre bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout konn bagay sa yo déjà. Konnen se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel green fois compte pour choléra rentrer sous. Connaissez youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra reparaît, c'est nous tous qui pou barrer. C'était un message MSPP ak partenaire Lio. Haïtien, haïtienne, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend.
Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Li tourne, oui. Ki bo ou mandem. Même bo wa, tout près ou là. Bo la ria. Mandel ma 32. Delimat. Oui, nous relouvri. Delimat Delma 32 relouvri en pimpant, pi gros, pi belle, ak plus rayon, plus produit, plus service. Delimat a remercié pour confiance au place dans li. Ah, quant à ça. Et c'est pour ça, pile bon ak paquet client Delma nou yo, pas de katan pour vi noue nouveau Delimat yo wa. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est content, nous content ouais moun nou yo. Ça fait presque 5 ans oui, depuis on t'est séparé nous Brit Soukou. C'est certain, il y a un pile bagay qui changé dans nous, dans vie nous, mais il y a un seul engagement qui était intact. C'est respect nous gagnen youn pou lòt ak lan moun nou pour pays nous. Seul petit pays noir. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. 100 jours soleil! C'est pas jouer, nous pas jouer, non? C'est gagner, nous pas gagner grâce à plein soleil Digicel là! Composé étoile 617, ou soit aller sur application MyDigicel là, activer plein soleil pour 5 gouttes seulement. Et puis, jouer une chance gagner 100 000 gouttes Digicel à paille là! Si vous jouez une chance pas, quand même gagner cher! Restez bien relax, parce que c'est 100 clients qui prennent une possibilité de gagner une belle promotion ça, qui prennent dire 100 jours et chaque jour. Avec un client qui prend sorti à 100 000 gouttes, capte ton directement sous compte mon cash. Qui donc 100 000 gouttes pour 100 moun pendant 100 jours. Y a un petit plan bien facile pour activer et bien chanson en plein mot grâce à Digicel. Digicel n'a toujours pas plus. Année l'école 2023-2024 là a commencé lundi 11 septembre 2023. D'après calendrier ministère éducation nationale, Jean ça toujours fait, gen plusieurs mesi ministère a déjà pris ak sipo gouvernement pour accompagner maman ak papa petit dans occasion rentrer l'école là tant coup bay livre gratis dans l'école yo, subvention pour aider parents yo, kit scolaire, uniforme ak cantine scolaire et latrier. Toute l'école dans le pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo lundi 11 septembre 2023. Directeur l'école yo doit prendre bon gens disposition dans tête collée avec enseignants yo pour respecter date 11 septembre 2023. En respecter calendrier scolaire 2023-2024 là qui prévoit 191 jours l'école, 955 aides-temps enseignement pour l'école fondamentale, 1146 aides-temps enseignement pour l'école secondaire, ça qui a permettre élèves et enseignants yo travaillent pi bien sous tout programme classe. Maman ak papa petit, parents qui responsable timoun yo, on prepare depuis kounye ya pour nous voyer timoun yo l'école depuis premier jour l'école là a ouvri qui c'est lundi 11 septembre 2023 pour timoun yo capable prendre bon jan éducation sans manquer yon jour l'école parce que éducation c'est pi gros outil pour développement timoun yo ak développement pays ya. L'école pa katann. Centre de communication appliqué Sénacom. On cherche mon école de communication. Améliorer le langage ou c'est une obligation. Porte nous toujours l'ouvrir pour nous faire inscription. Nous bonne nouvelle c'est sur une choisie. Journalisme, multimédia, animation, présentation, radio, télé, communication française, oratoire, journaliste sportif. Sénacom. Pour la section d'audiovisuel, on a montage vidéo, vidéographie, technique de mise en onde, photographie, graphic design. Yeah, yeah. Dans Sénacom, nous avons une spéciale auto-école, non seulement yon mois qui vient de chauffer. Et puis, il va te chauffer tête chat, non? Sénacom, numéro 12 rue Joule, Delma 33, à proximité de CPEM, local du Centre Pédagogique Frères Unis. Contactez-nous au 36 26 45 44 55 40 53 18. Inscription en cours pour la nouvelle session. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Yobo, t'es quoi dit, si dame, ça que j'aime vivre ici dans la salle? Bon, comment le faire en forme comme ça, Amine? Tout cas, bro, elle est moins en forme, frère.
Ba privé non papa. Précaution pas capon. Cher. Bon. Qui ça ou dit là? Ou pas informé? On moun ki gen virus sida. C'est tant qu'on est porte maladie chronique oui. Tant que maladie cœur, psych, tension. Et puis tout, les pi moun nan pied prend médicament. La mener vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Crété. Régine, comment fait comme toute bagaille ça yo? Maman le docteur oui. Crété. Ou gen oublié. Et puis moi informé en pile sous sujet a. Yon moun ki gen jem sida ki toujours bien prend médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement. Li pa ka ba yon lot moun sida nan fè sexe. C'est un couvrir cela te disparaît dans sang. Oh. Disparaît dans sang même, ça veut dire, il pas gagné encore, il toujours gagné. Mais grâce à ce médicament ARVO, quand tu te virus qui dans sang devient tellement petit, test à examen laboratoire pas même river détecter. Mais faut que il toujours prend médicament ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon nan sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire en pile discrimination vraiment. Informe dans des timon. Yon ti kras VIH nan san égal zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR ak USAID. Alter Sport. Actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dans pays étranger, dans la deuxième journée phase groupe Ligue Champion Football, Red Bull Salzbourg perdu devant Real Sociedad 2-0, Union Berlin perdu devant Braga 3-2, Bayern Munich bat FC Copenhague 2-1, Inter gagne Benfica 1-0, Lens gagne Arsenal 2-1, Manchester United perdu devant Galatasaray 3-2, Real Madrid gagne Naples 3-2, PSV fait 2-2 ensemble avec équipe FC Séville. Antwerp a perdu devant Shakhtar 3-2. Atlético Madrid gagne Feyenoord 3-2. Celtic perdu devant Lazio 2-1. Dortmund fait 0-0 avec AC Milan. Étoile Rouge Belgrade a fait 2-2 avec Young Boys. FC Porto perdu devant Barcelone 1-0. Newcastle crasé Paris Saint-Germain 4-1. Manchester City gagne équipe RB Leipzig 3-1. Dans le classement, la groupe A, Bayern Munich premier 6 points, deuxième Galatasaray 4 points, troisième FC Copenhague 1 point, quatrième Manchester United 0 points. Dans le groupe B, Lens premier avec 4 points, deuxième Arsenal 3 points, troisième FC Séville 2 points, quatrième PSV 1 point. Dans le groupe C, Real Madrid premier 6 points, deuxième Naples 3 points, troisième Braga 3 points, quatrième Union Berlin 0 points. Dans le groupe D, en Real Sociedad gagne 4 points, deuxième Inter 4 points, troisième Red Bull Salzbourg 3 points, quatrième Benfica 0 points. Dans le groupe E, Atlético Madrid premier 4 points, deuxième Lazio 4 points, troisième Feyenoord 3 points, quatrième Celtic 0 points. Dans le groupe F, Newcastle premier 4 points, deuxième Paris Saint-Germain 3 points, troisième AC Milan 2 points, Dortmund dernier 1 point. Dans le groupe G, Manchester City premier 6 points, deuxième Leipzig 3 points, troisième Young Boys 1 point, Étoile Rouge Belgrade dernier 1 point. Et puis dans le groupe H, Barcelone premier 6 points, deuxième FC Porto 3 points, troisième Shakhtar 3 points, quatrième Antwerp 0 point. Bon côté buteur yo, c'est Alvarez qui dans Manchester City qui gagne 3 goals, Ojlun qui dans Manchester United gagne 3 goals et puis nous jeune plusieurs joueurs qui a 2 goals, Bellingham Real Madrid, Bruma dans Braga, Bukari dans Étoile Rouge Belgrade, Galindo dans FC Barcelone, Joao Félix dans Barcelone, Mendes dans Real Sociedad, Becker dans Union Berlin, Casemiro dans Manchester United, Gabriel Jesus Arsenal, Morata Atletico Madrid, Sikan Shakhtar et puis Tel dans Bayern Munich. Jeudi 5 octobre, il y a un match qui joue pour deuxième journée Ligue Europa. AEK fait 1-1 avec Ajax. Aris gagne Rangers 2-1. Betis gagne Sparta Prague 2-1. Fribourg perdu devant West Ham 2-1. Marseille fait 2-2 avec Brighton. Racco perdu devant Tom Grass 1-0. Sporting perdu devant Atalanta 2-1. TSC fait 2-2 ensemble avec équipe Olympiakos. C'était deuxième journée tout dans Ligue Europa Conférence. Zen gagne FC Astana 2-1. Besiktas perdu devant Lugano 3-2. Bodo Glimt perdu devant Club Brugge 1-0. Breda Blik perdu devant Zoria 1-0. FC Balkany gagne Dynamo Zagreb 2-0. Klaksvik fait 0-0 avec Lille. Lagantroise bat Tel Aviv 2-0. Et puis Jubler Jana perdu devant Slovan Bratislava 1-0.
L'autre information, football, Robert Lewandowski, 25 ans, 10 matchs à 6 goals, toute compétition saison ça, a souffri avec un entorse dans la cheville gauche d'après FC Barcelone, dans un communiqué jeudi 5 octobre. Les mêmes Ferran Torres étaient remplacés dans la 34e minute match contre FC Porto à mercredi dans la Ligue Champion. Club catalan pas bas aucune indication, sous durée indisponibilité pour l'Odéan, à 3 semaines classico contre Real Madrid dans la Liga. Les papes jouent contre Gwena dimanche 3h dans le championnat. Club Rouillon annoncé jeudi prolongation Grégor Kobel pour 2 années en plus. Gardien 25 l'année, désormais sous contrat avec Borussia Dortmund pour jusqu'à l'année 2028. International suisse 5 sélections, natif Zurich, te rejoint Dortmund, quand il était sorti dans Stuttgart pendant Mercato été 2021, laisse à transfert l'an coûté 15 millions d'euros. Football sélection Lionel Messi présent dans liste joueur argentine convoqué jeudi 5 octobre là pour prochain match qualification mondiale 2026 zone Amérique du Sud là même si club Inter Miami considéré comme joueur qui blessé septuple ballon d'or là pas participer dans défaite 4-1 Inter contre Chicago mercredi à cause problème physique d'après entraîneur Gerardo Tata Martino il était sorti dans sélection là dans mois septembre là avec une fatigue musculaire champion du monde 36 l'année joué seulement 37 minutes contre Toronto 20 septembre pour 5 matchs li manqué parmi les 4 derniers avec nouveau club lien. Coach lundi li gêné avec une cicatrice et une ancienne blessure dans jambe droite. Argentine championne du monde en titre a accueilli Paraguay 12 octobre, la prenne Pérou 5 jours après dans cadre éliminatoire Confédération Sud-Américaine pour Coupe du monde 2026 là. Liste joueurs Emiliano Martinez Aston Villa, Franco Armani River Plate, Juan Musso Atalanta, Walter Benitez PSV Eindhoven, Juan Foyt Villarreal, Gonzalo Montiel Nottingham Forest, Nahuel Molina Atletico de Madrid, Herman Pesea Real Betis, Cristian Romero Tottenham, Lucas Martinez Qualta Fiorentina, Nicolas Otamendi Benfica, Marco Pellegrino Milan AC, Marcos Acuña Sevilla, Nicolas Tagliafico Olympique de Lyon, Lucas Esquivel Atletico Paranense, Leandro Paredes Roma, Guido Rodriguez Real Betis, Enzo Fernandez Chelsea, Rodrigo De Paul Atletico de Madrid, Ezequiel Palacios Bayer Leverkusen, Carlos Alcaraz Southampton, Giovanni Lo Celso Tottenham, Alexis McAllister Liverpool, Thiago Almada Atlanta United, Bruno Zapei Atletico Paranense, Paulo Dybala Roma, Lionel Messi Inter Miami, Julian Alvarez Manchester City, Lautaro Martinez Inter, Facundo Farias Inter Miami, Lucas Beltran Fiorentina, Alejandro Garnacho Manchester United, Nicolas Gonzalez Fiorentina et puis Lucas Ocampos Sevilla. Tennis, Corey Gauff, récent vainqueur dernier Grand Chelem saison 1, gagné Kudermetova 7-6-6-2 dans 8e finale tournoi Pékin. Terence Atman dominé jeudi 5 octobre, Jordan Thompson 6-3-3-6-6-1. Shanghai dans 2e tournoi, l'a joué avec Chilien Nicolas Jarry tête série numéro 22. Et puis basketball, jeudi 5 octobre, là, Joel Embiid MVP en titre NBA a choisi de représenter États-Unis dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Il a annoncé décision à Grant Hill, directeur exécutif Team USA là, d'après plusieurs sources parmi eux ESPN et The Athletic. Équipe France Vincent Collin espéré rafler Misland depuis les joueurs Sixers Philadelphia t'est naturalisé français mois juillet 2022. Natif Yaoundé est capable de représenter Cameroun. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Journal Alter Sport arrivé dans Boutli, grand titre qui t'est fait essentiel journal là. Fédération haïtienne basketball à travers Commission nationale basketball 3 contre 3 a organisé 2 journées formation Fort Liberté 7 à 8 octobre cap venir là dans cadre programme Vini officiel 3 contre 3 FHB. Mercredi 4 octobre, LDU Quito équipe Ricardo Adéan fait 0-0 en déplacement sous pelouse Defensa et Justicia pour match retour demi-finale Copa Sudamericana. Club équatorien validé BL pour grande finale là, côté l'a joué contre équipe brésilienne Fortaleza. Roselyne Eloisin blessé dans genou, pas monté terrain pendant plusieurs mois d'après sa club li, RC Strasbourg fait connaître jeudi 5 octobre.
dans pays étranger dans cadre deuxième journée phase groupe Ligue Champion football là équipe FC Barcelone là gagne équipe Porto 1-0 dans Ligue Europa Marseille fait 2-2 avec Brighton dans Ligue Europa Conférence Besiktas perdu face à Lugano 3-2 Football sélection Lionel Messi présent dans liste joueur Argentine convoqué jeudi 4 octobre là pour prochain match qualification mondiale 2026 zone Amérique du Sud même si club lien Inter Miami considéré comme blessé Argentine Uruguay et Paraguay cap accueilli 3 dans 104 rencontres mondiales 2030 football là bénéficier tout qualification direct yo bay pays audio d'après précision FIFA portée jeudi 5 octobre là tennis Cory Gauff récent vainqueur dernier grand chelem saison a gain Kouder Metova 7-6-6-2 dans 8e finale tournoi Pékin. Et puis basketball Joel Embiid MVP en titre NBA choisi représenter États-Unis dans jeux olympiques Paris 2024 là. Cela nous mettait fin à journal Alter Sport. Merci à Judith Stanley Roy qui était dans la réalisation. Dans micro c'était Marie Farah Fortuné. Continuez sur Alter Radio 66.1 FM à alterradio.org. Édition journal ça n'a pas jeune podcast Alter Radio sous Mixcloud à Xino Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio. Musicien de mon île, qui, comme moi, joue ton âme et ta vie sur le clavier de ton cœur qui frissonne. D'angoisse incomprise. Voile par terre de ces dames jolies qui te regardent transpirer ta folie. Que fais-tu là? Tu leur tu n'auras que des notes.
des notes muettes. Toi, musicien, tu mérites le monde. Sous Alter Radio, l'IFE, INE. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Li tou nen oui. Ki bo? Ki bo ou mandem? Même bo wa, tout pré ou là. Bo la ria. Nan Delma 32. Delimat. Oui, nous relouvri. Delimat. Delimat Delma 32 relouvri en pimpant, pi gwo, pi bèl, ak plis rayon, plis produit, plis service. Delimat ap remersi ou pou confiance ou place nan li. Ah, quant à ça. Et c'est pour ça pile bon ak paquet client Delma nou yo pa de katann pour vinn wè nouveau Delimat yo wa. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est content, nous content ouais mon nouyo. Ça fait presque 5 ans oui depuis on t'est séparé nous Brit Soukou. C'est certain, il y a un pile bagaille qui changé dans nous, dans vie nous, mais il y a un seul engagement qui était intact. C'est respect nous gagnen youn pou lòt ak l'amou nou pou peyi nou. Sèl ti peyi nou. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Le président bolivien Luis Arce a été exclu du parti au pouvoir, le MAS, sous la bannière duquel il a remporté les élections de 2020 dans le cadre d'un conflit avec celui qui était son mentor, l'ancien président Evo Morales, qui brigue un nouveau mandat. Le MAS a estimé que Luis Arce s'était exclu lui-même en ne se présentant pas au congrès du parti cette semaine, destiné à organiser les primaires de décembre pour désigner son candidat. Evo Morales, à la tête du parti majoritaire au Parlement, a annoncé le mois dernier qu'il entendait se présenter à la présidentielle de 2025. Luis Arce, héritier politique de Morales lors de son élection en 2020, n'a pas encore fait part de son souhait de briguer un second mandat. Europe, plus de 26 000 Ukrainiens, dont 15 militaires, sont portés disparus depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a annoncé jeudi 5 octobre le gouvernement ukrainien. Parmi eux, 11 000 sont des civils et environ 15 000 des militaires, a indiqué un vice-ministre de l'Intérieur, Leonid Timchenko, à la télévision nationale. L'Azerbaïdjan est prêt à des pourparlers avec l'Arménie sous médiation de l'Union européenne après son offensive victorieuse au Karabakh, a assuré jeudi 5 octobre un conseiller du président azerbaïdjanais, même si son pays ne s'est pas rendu à un sommet européen en Espagne où le sujet devait être évoqué.
L'Azerbaïdjan est prêt à participer prochainement à Bruxelles à des réunions tripartites entre l'Union européenne, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a assuré Hikmet Ajiev, un conseiller du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev sur X, tout en dénonçant la politique de militarisation de la France dans le Caucase qui a conduit, selon lui, son pays à renoncer à participer.